Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Doom Eternal. Donc, on continue là où s'est arrêtée la vidéo, hein, c'est-à-dire en enfer contre le fucking maraudeur dans un espace clos. Donc, j'arrive à le pousser, mais... Et je me disais aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas appelé son cleps. Oh putain. Oui, merde. Hop. Putain. Mon Dieu. Plein de munitions comme ça. Eh ben mon vieux. Avec lui, t'as vraiment pas le temps de souffler, hein. T'es obligé de bouger à gauche à droite. Sinon, c'est mort. Bon. Par là que ça se pose. Alors je vais économiser les munitions de BFG, je sais pas ce qui m'attend. Thank you.
C'est vrai que le dash est quand même pas mal pour esquiver. Au début, je m'en servais juste pour les murs. Mais en combat... Ah, je crois qu'il doit y avoir soit un Doom Hunter peut-être, avant que ce soit un revenant. Qu'est-ce que je raconte? Deux Doom Hunter. Bon, pardon. Merde. J'ai essayé de la prendre, mais... C'est vrai que jusqu'ici je me suis... Je me suis pas fait tuer par un démonteur, mais je sais jamais, il y a un début à tout. Alors... Je vais peut-être aussi garder la charge de l'épée, on sait jamais. Pour être utile. On l'a déjà embrayé, comme dirait. Il y a une statue. On aura le temps de la regarder quand j'en aurai fini avec eux. Voilà, là.
Ok, une fois que l'esprit a été brisé et que la douleur infligée est suffisante, seulement au moment où l'humain a perdu tout espoir, il est enfin transféré dans la chambre d'extraction d'âme. Excusez ma curiosité, je vais regarder. Pourquoi c'est que c'était plus... Je sais pas. Bon, comme disait aussi. Alors, je vais faire tomber ça. Je vais faire tomber le lustre dessus parce que c'est... C'est la statue qui va tomber dessus, je sais pas. Ah ouais, par là. Oula, oula, oula. Ok, mais comment j'accède? Il faut accéder donc par derrière la statue. Là-bas. Oh non, je crois que c'est trop loin, ça. Voilà. Non, non, il va falloir trouver un autre moyen. Enfin, c'est pas ce qu'il va falloir trouver, c'est... Ils ont surtout prévu un autre moyen. Ça, c'est des piques. Donc, quel enfer! C'est bien le cas de le dire. Alors, est-ce qu'il y a des parois où grimper? J'imagine que ce sera. Ah, j'ai une charge. Ah oui, c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'ai une charge. Où est-ce qu'on grimpe? Les amis. En fait, faut puncher la statue par derrière, je vois le truc là, effectivement. Mais pour ça, il faut arriver à passer là-dessus. Et je cherche comment on y rentre. Bon, le ski. Je sens encore le truc tordu, hein, mais là j'arrive pas à voir où c'est en fait. J'imagine qu'il faut grimper. Là-haut, il y a quelque chose là aussi. Comment on accède à tout ça? Comment qu'on y accède? Mais non, ça n'est pas ça. Ah, ah ça, ça. Ah, quel enfer quand même de pas trouver comme ça. C'est chiant. Là-bas, il n'y a pas quelque chose, là. Ah, on peut aller là-bas déjà. On peut aller là-bas, bon. Voilà.
train de prendre cher. Il n'y a pas une option pour la résistance au feu? Il n'y a pas de piège. Hein. Vérifier. Bon, ça c'est fait. Ah ben voilà. Ah, en cherchant, je finis quand même par trouver. Il n'y a eu qu'au début là. Avec... Ah ouais, en fait. On lui pète la gueule à la statue. Et après c'est... Ah d'accord. Ah ouais. Bon ben apparemment c'est fini. Bon bah ben, écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain niveau. Et portez-vous bien. Ciao, bye bye.